prends le goal maintenant, s'il te plaît. Oh, oui. Oh, il va le faire. Oui. Oui. Oh, oh, il va le faire. Le perdant, il ouvre le pack boutique. On fait une roulette, les gars, aujourd'hui ou pas? On choisit. Non, je pense qu'on choisit notre formation. On choisit la formation aujourd'hui. Allez, les gars, c'est parti. Les drafts, here we go. Padrou, c'est toi et ta formation que tu veux décider de prendre. Padrou, et je vais commencer avec les 4-3 dedans. Je sais que je suis un mec qui a pas trop de personnalité sur les drafts. Ça commence bien. 95, c'est pas grave, on prend. Mais ça commence bien. En choix de capitaine, 95, on prend, les amis. Là, j'ai besoin de. Donne-moi R9 là. Vite fait là, vite fait. Voilà, R9, comme j'ai dit. Bon, c'est pas la version que je voulais, mais c'est pas grave, on prend. J'ai pas besoin de réfléchir, moi. C'est les choix qui viennent à moi. Fred, c'est parfait. C'est parfait, Fred, parce qu'avec R9 et les icônes, c'est carré de fou. Vitinha, on voit pas souvent. Ouais, c'est vraiment Vitinha. Le MC, tu l'auras, il faut pas se faire de la peine. Il faut pas se faire du souci pour ça. Je vais prendre Vincent Compagnie. Bon, c'est pas dingue. D'ailleurs, les gars, tout à l'heure, j'ai vu vos DM Insta. Petite parenthèse, j'ai vu vos DM Insta, les gars, et j'ai vu un frérot qui a fait une 129. Pour faire une 129, les gars, il faut tout le banc à minimum 92. Et les titulaires aussi. Voilà, c'est simple, clair, efficace. Les gars, vous voulez faire une 129, c'est que des grosses notes. Et même sur le banc, c'est minimum du 93-94. Et il faut des 97 de fou, non? Ouais. Ouh, les gars, je pense que je vais faire Foussard un peu là. Vers Chikini, pour tomber avec une meilleure note, je vais prendre Froms. Lien 1 à 1 avec toi. Vendel, c'est très très bien ça. Lien brésilien avec un. Ok, là techniquement, les gars, je suis bien. Là techniquement, les gars, ma draft, c'est correct. Hein. Non, y a pas de triangle là-dessus. Non, non. Probablement, vous dites triangle là-dessus. Là, j'ai pas eu beaucoup de régulars. J'ai seulement deux régulars. Ouh, ça peut jouer MC, ça rassure moi. Bien sûr, Vince. Ouh, en plus, icône pour les liens, c'est très bien. Il te faudrait peut-être un nouveau buteur. Je vais prendre petit parce qu'il peut jouer de DC. Parce que Messi peut peut-être tomber en Totti. Ouh. Froidement, froidement. En vrai, j'ai des très 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 grosses notes. Hein. Mmh, il peut jouer buteur ou pas? Faudrait peut-être un nouveau buteur. Il peut jouer avançant de Sancho? Non. Montre-moi. Aïe 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 aïe. Dans la récompense de Champions, on n'a pas eu grand parfait, monde. C'est parfait, les gars. Hey, le coup de maître que j'ai fait. J'ai décidé de pas faire le Froussard et le jeu me remercie. Le jeu me dit, Liam, bravo, t'as pas fait le Froussard, on va te récompenser en donnant Bobby Charlton. Frère, c'est les deux décès. Les deux décès, Liam, il a deux... Il a un Maldini qui tombe. Limite, tu peux mettre tard, Liam. Ouais, c'est magnifique. Il faut un gros décès, là. Moi, je te dirais Frippong. Walker décès, ouais. Remetta, il peut remettre tard. Ouais, là, maintenant, tu peux remettre tard. Maintenant tu peux remettre ta parce que maintenant t'as pris Pong aussi. Et là t'es très fort. Là il faut un gros goal. Ah il aurait fallu un... Il aurait fallu smash 95. Avis sur ma draft les goûts. 128 pour commencer. Ouais pas mal. Elle est très belle. Hein. Il y en a qui ont dit très mais moi j'en faisais pas partie. Moi j'en faisais pas partie. Pour l'instant c'est l'une des meilleures drafts que j'ai faites. Hein. En plus il y a des belles icônes. Je pense que je suis pas très très loin de la 129 en vrai. Non. Bon allez les gars c'est mon tour. J'ai 128 à faire égalité ou à battre. Ça va être très dur les gars. Je vais partir sur 4-3-3 offensif. En sachant les gars que moi j'ai vu ce que ça donnait une 129 en Twitter, enfin en Insta DM. Je sais à quoi, je sais ce que je dois faire. C'était quelle formation que le frérot te l'a envoyé? C'était un 4-3-3. 4-3-3 ouais. Je sais ce qu'il me reste à faire les amis, je sais ce qu'il me reste à faire. Par contre si c'est pour donner des icônes du mois de mars, on va faire une 127 grand max. Ouais. Ouais. Ah les gars c'est mort. C'est mort les gars. Attention. C'est à mort. Tout moment ça peut se réveiller Vince. Comme moi à tout moment ça peut se réveiller. Ça peut donner des ressources navales, des walkers. Allez. Allez. Allez là c'est Schmeichel. Et là on est très bien les amis. Ouf. Campbell c'est carré de fou parce que t'as l'arrière gauche. J'ai vu. C'est même club en... Non c'est pas même club. Allez on va prendre le goal tout de suite. Choix dangereux. Allez maintenant il faut... De toute façon je vais jouer la note les gars. Saliba, je vais jouer la note. Y a pas de retour en arrière là, les gars. Faut jouer la note. Liam, il a fait une 128. Y a pas de ralentir à partir de maintenant, les gars. Y a pas de ralentir. Il faut aussi que je me préoccupe du AD. Hein. Faut aussi que je me préoccupe du AD là. Et ça, c'est un choix régulier. Ouh, mais il est là ton avançant de droit. Froussard. Ça peut me mettre en plus dans la sauce. Ça peut me mettre dans la sauce, les gars, ce que j'ai fait. Je ne pense pas que c'était le meilleur choix. Après, t'aurais pas eu d'idée. Ah si, t'avais Beckham. Tu vois, ça c'est... J'avais un dilemme comme ça. Ouf, ouf. Aïe, 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 aïe. Tu sais qu'on additionne tous les points à la fin. Hein. J'essaie, Liam. Non, mais...
Parce que moi j'ai fait 128, là mon sort, tu vas clairement avoir des points de retard là mon frérot. Tu l'as fait courte hein, 127. Excusez-moi l'expression hein. Non, 126. Mais j'ai pas la trique en voyant cette draft. Je redonne le plat à la cuisine. Les gars, je prends le risque d'avoir un coach argentin. Je prends le risque. J'ai pris le risque, 127. J'ai que 1 point de retard. J'aurais pu en avoir 2, j'ai que 1 point de retard. Après la draft de Liam, elle était dure. 4-4 de plat. Vincent nous a gentiment servi un plat picard. Ouais. Et il vous l'a fait payer très cher. Ouais. C'était la... Je vous ai fait payer la crêpe Nutella à 10 euros qui m'a coûté juste 30 centimes de fabrication. Ouais. Ouais, non, ça c'est. Sacrément effrayant la mentalité du V vis-à-vis de ces ultras. Bon, les deux milieux de terrain, ça va être de la poudre à notes sur le. Sur poudre le... À... Perle à pimpon. La poudre à perle à pimpon. Il peut jouer MC, non, ou MDC, lui. Il peut jouer DD et MDC. Allez, donne-moi Rezus Navas, on n'en parle plus. Ou Carvajal. Eh, les gars, hier, quand j'ai eu Carvajal 98, il fallait être là. Sur les champs à Paris, la crêpe, c'est 10 euros. Devant la Tour Eiffel, je peux te Ah, là, avec les JO. Je peux te garantir, mon frérot, la crêpe près de la Tour Eiffel, JO ou hors JO, mon frérot, c'est 10 euros. Je crois que c'est 8 euros, mais après, tu prends ta canette, t'en as pour 12 euros. C'est une folie. Crêpe canette, t'en as pour 12 euros. Je vais prendre Ederson parce que Derstekan, il a une belle. Belle petite carte de gardien. Est-ce que je prends Beckham ou Cantona? Je pense que je vais avoir la chance d'avoir un autre. Ah bah je peux le faire jouer MC au pire. T'étais même pas follow sur Insta? Est-ce que ça m'étonne de toi Maxime? Non. En plus les gars sur Insta il y a un jeu concours donc participez-y. 20 euros la crêpe devant la Tour Eiffel pendant les JO, j'y pense. Ouais. Ah mais là ici ils vont racketter les touristes là. En plus les gars franchement. Mais après le tabac hein, je sais que. Oh même pas. Tu sais que même pas. Tu mets des M&M's Nutella non, et tout même dans pas, la je te jure tabac. Même pas. La qualité de la crêpe elle est pas bonne du tout. La crêpe devant la Tour Eiffel, je te jure la qualité elle est pas folle. T'as pas kiffé toi? Ah non. Non du tout même. Ah c'est la pâte de la crème est vraiment pas bonne. Comme cette draft d'ailleurs. Vous pensez le chat? D'accord. Les gars, aujourd'hui je suis en train de vous faire des drafts. Oui, mais parce que je viens de montrer une photo où t'es sur Vancouver et t'as le jeu offert parier. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Est-ce vraiment une surprise? Non, comme d'habitude, on a abusé. T'abuses le vaisseau, ok. Non, la qualité de la crêpe, mon frère, elle est vraiment ouais, pas tabac, bonne. Ouais, tabac, c'est juste Vincent. Que Vincent, il va encore perdre une autre session de draft. Non, je suis honnête, chef. Je te jure, c'est pas ouf. On part sur une 127 lame. MD, ouais, je peux peut-être mettre close MD. Ouais. Ça va pas changer grand-chose si je mets. Ouais, c'est pas ça, je peux pas faire. 127, les amis. 127, c'est. Ouais, 127 pour Liam. Bon, ça passe, en vrai, ça passe. C'est un match nul à l'extérieur, 0-0, première journée de championnat. Mais je garde quand même mon avantage. 4-3-3 défensif, très très sous-côté. Cette formation, elle m'intrigue. Je vais prendre Figo, les amis. AD, c'est plus dur qu'avoir de... par rapport à AG, je trouve. Hernandez, allez, là, on veut du Nedved, on veut du Vinicius. Ou on veut du Ronaldinho. Ronaldinho, j'ai pas pris durant la première draft. Il revient un mot. Allez, un joli MC. Après, lui, il peut pas jouer MDC. Comment tu vas, Marvin, la forme? Avec les icônes que t'as, là, t'es obligé de prendre... Là, t'as déjà 4 icônes. Sachant que t'as souvent le même arrière... Après, je crois que l'arrière droit, il est... équatorien, je crois. Bon, Mazraoui, il a du collectif particulier. Je sais, mais je vais quand même prendre Scott. Maintenant, elle est là, la diff. Est-ce que je prends Donnarumma ou est-ce que je prends Alisson? Je vais prendre Alisson, le lien brésilien, les gars. Ouh, j'ai bien fait. T'as bien fait. Et j'ai bien fait de prendre Alisson. Van Dijk, on le voit pas souvent, hein. Nuno, ouais. Pas mal du tout, Nuno. Je vais prendre Nuno parce que je suis supporter parisien, les amis. Donc là, j'ai 3 régulars. J'ai encore les réservistes. Et je vais commencer cette fois-ci, les gars. Est-ce que c'est forcément le bon... Je sais pas, les gars, si c'est forcément bien ce que je fais, là, de partir tout de suite là-dessus, là. Ouh, froidement, t'as bien fait de prendre Nuno. Lien brésilien, en plus. Ouh. Vous, les gars, vous faites d'abord remplaçant... Enfin, vous faites d'abord titulaire, remplaçant réserviste. Ou vous faites plutôt comme moi, où c'est titulaire et réserviste remplaçant. C'est quoi votre schéma? Toi, c'est pas mal. Titulaire en dernier, toi, t'es bon? Ah ouais? Ouais, je fais toujours titulaire, réserviste, et puis après, bon. Bon, là, les gars, j'ai tout. Là, normalement, les gars, j'ai tout ce qui est régulier. Normalement, tout est pris. Donc là, maintenant, ça va être que des grosses notes. Pas mal du tout. Là, t'es en train de consolider les notes. C'est pas fou, frère. Ouais, c'est pas dingue. C'est pas fou, les gars. C'est loin d'être fou. Hein. C'est pas la fête du slip. C'est loin d'être fou, les gars. C'est. Dommage. En fait, les gars, je peux même pas le faire jouer avec Gullit. Ah là 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 là. Eh, hey, le collectif, ça fait combien ça, Vince? Oh, les gars. On espère un mec de MLS, quoi. Ouais, j'aurais pas le collectif, les gars, dans tous les cas. Même Gullit MC, les gars, ça marche pas.
Donc ça fait combien, Vince? C'est pas mon genre du tout, là. Ça fait combien, ça, mon frérot? Sans chouiner, ça fait combien? C'est fou, les gars, quand même, d'un compte à l'autre. 125, sympa. Je vais prendre un risque, je vais prendre le 3-4-1-2. J'ai pris le 4-4-2 à plat, 127, c'est pas assez pour moi. On a pas les mêmes drafts, les gars. Di Natale, en plus, il peut jouer MG au pire, hein, c'est très bien, c'est très très bien. Allez, redonne-moi une grosse. Allez, c'est très très bien. Là, tu vois, quand ça commence comme ça, t'as ta petite boisson à côté de toi, tu t'hydrates bien, tu poses ta petite boisson. Je suis le stade de Reims qui affronte. Et tu continues. Je suis le stade de Reims qui affronte le Real en match amical. Je vais essayer de me battre avec mes armes, mais je peux pas. Je peux pas rivaliser. Je peux pas rivaliser. Kowalski, d'accord. Bon, pour l'instant, là, les milieux de terrain, c'est pas trop ça. Je vais prendre Bellingham, au cas où il y a son frère qui drop. Je vais prendre Endoy. Ouais, c'est correct. Après, MC, MOC, faut faire attention parce que ça peut être des postes un peu compliqués. Je vais prendre Savio parce qu'il peut aussi jouer à droite, au cas où. Allez, DC, j'ai besoin que tu me donnes des gros DC. Libali, ça me va. Ça me dérange pas. Il me faut des icônes là par contre. Limite la marée, ça aurait été clutch. Il me faut des icônes là, les gars. J'ai pas assez d'icônes. Ouais, pas mal. J'ai Kobel. Ouais, je vais prendre Kobel tout de suite. Hein. Après, Kasia, il aurait pu être clutch pour le collectif avec tout le monde. Je pense qu'il aura d'autres icônes. Moi, je pense que là, il aura d'autres icônes. Ouais, mais les icônes, elles vont tomber là, tu vois. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Raoul. Comme ça, je vais prendre le collectif des icônes. Il a vu. Lucio, en vrai. Lucio, je vais le prendre. Je vais pas me casser la tête. En plus, j'ai pas mal de joueurs de Bundesliga. Comme ça va assurer le collectif. Cafou, ouais. C'est pas la bonne version parce que cette version on peut pas jouer MD. Ouais, je sais, mais bon, c'est quand même la note 92. Ce que je vince, moi, c'est aller chercher à 129. Il faut minimum 92, les gars, sur le banc. Sur le banc des remplaçants, c'est minimum 92. Et sur tes titulaires, c'est. J'ai pas de joueur de première ligue, les gars. Les gars, Eriksen, il va mettre. Ça va être la même chose, hein, Eriksen. Sauf que Doku, il a du collectif. Ouais, je sais que Doku, il a full call, mais bon. Eriksen, j'aurais bien aimé lequel est la place de Bellingham, mais première ligue, j'ai aucun joueur en fait. Peut-être que j'ai dû prendre Kazirs. Peut-être qu'elle est là, mon erreur. C'est le MOC là qui gâche. C'est le MOC qui gâche la fête pour Liam. J'ai besoin d'un milieu de terrain icône. Voilà ce que j'ai besoin. Le MOC qui gâche la fête pour Liam. Milieu de terrain icône. Voilà ce que j'ai besoin. Ah, faut se mouiller la nuque là. De toute façon, allez, donne-moi MC icône. Ouh, ça fait peur là. Ouh, ça fait très peur. Je peux jouer MC. Ça me sauve, c'est parfait. Comment tu vas, mon Ben? Merci, mon frère, pour ton deuxième mois. Yoli Twins, continue comme ça les boss. Merci, chef. Merci, chef. Merci pour ton soutien. Il me faut une dernière icône. Il me faut une dernière icône. Après, Di Marco, italien. Là, je peux avoir le collectif là. Ouais. Et j'ai un bon de zinzin, 95. Après, c'est le résumé de draft là qui compte. Si je prends Der Stegen allemand, normalement ça devrait être bon au cas où. Il a pas le collectif. Sinon, j'assure en faisant ça et puis voilà. Ouais, bah ouais, t'as une 127. Ouais, j'ai la 127. Hein. Ouais, t'assures, ouais. Il n'y a pas assez d'icônes. En fait, c'est ça le problème. C'est le MOC et MC gauche qui ont un peu fracassé Liam. Le bon, par contre, je l'avais. Hein. Là, j'avais une bonne draft. Ouais. Il te manquait juste un meilleur MC gauche et un meilleur MOC. Bon, les gars, 127. J'ai 3 points de retard par rapport à Liam. En gros, il faudrait que je fasse une 130 pour qu'il y ait un autre round. Mais bon, on va quand même essayer de. Après, on peut se faire un 4ème round, ça me dérange pas. Là, il y a eu des belles drafts aujourd'hui. Hier, c'était un peu plus compliqué, mais là, il y a des belles drafts. Il y a des belles drafts pour toi, pas forcément pour moi, Liam. Des belles drafts pour toi, moi, aujourd'hui, c'est. En vrai, moi, je suis pas loin de la 129, je trouve. Un ou deux postes clés, moi je suis pas très très long. Ouais, faut se mouiller la nuque. C'est pas avec ça, les gars, que je peux avancer. Je fais de mon mieux, hein. Après les choix. Pas mal. Ils sont ce qu'ils sont. Pas mal. Oh. Ils sont ce qu'ils sont. Pas mal. Hein. Allez, MDC, gros, donne-moi un gros MDC. Pas mal du tout, hein. En vrai, à 2-3 postes clés, Vince, il a. Il a des plutôt bons joueurs. Lui, en plus, il peut jouer à droite, Puyol. Allez. Est-ce que la tech chouineuse marche aussi sur les drafts? C'est vrai que Vince, il chouine beaucoup. Ouais. Allez, c'est parti. Ok, là, prends le collectif. Ah, j'apprécie que tu fasses pas le froussard là-dessus, Vince, mais. Alors, si elle avait joué DC, elle aurait pu potentiellement m'aider, elle. Oh. Le lien français avec Bacha, Ribéry, parfait. Allez. On va prendre Trossard. MD et DC. Oh, il peut jouer MD, je crois. Il peut jouer MD. Même Tyler Adams, il peut jouer MD, Vincent. Au cas où. Ouais. Pourquoi tu réfléchis, chef? Wake up, bro. Prends Marquis de vue, wake up. Oh, t'as pas de MOC, hein. Ah, excusez-moi, les gars. Excusez-moi d'y dire les termes. Adji MOC, on est en mode Froussard, les frérots. Allez. Un bon DC. Froid, non, Renard avec gars, Bacha. C'est Renard. Froidement, moi c'est ce que j'aurais fait aussi. Allez, donne-moi une grosse note, s'il te plaît.
pas assez. C'est pas assez costaud là-bas pour moi. Allez, le goal, un gros goal icône. Goal régulier. Rien. Non, en vrai, 127. Les gars, on va faire un dernier round. Ouais, 127. 127, ouais. Ramirez a bien carré par contre. Ramirez, bien sympa. Tu sais, c'est la première fois que je le voyais en draft. Hein. J'aime bien. Bon courage, là. 4-3 dedans, j'ai un bon film. Donne-moi un bon capitaine, on va y aller ensemble. Oh là là, quand ça commence comme ça. Il aura une carte futise, les gars. Il aura une carte futise, Bruno. Tu le sens? Est-ce que je prends Thibaut Courtois maintenant? Je vais prendre Haaland. Parce que Thibaut Courtois peut-être tomber en gardien et ça peut être plus intéressant, ça peut me sauver la mise. Allez. Pour l'instant, j'ai eu des choix un peu inédits. Hein. Allez, régale-moi. What is this, bro? Merde! C'est quoi l'encore à draft? C'est 129, mon frérot. Mais en fait, ce qu'il faut viser, c'est des titulaires à minimum 94 et un bon minimum à 92 et t'as des grosses notes, t'as des 97, 98, 96, même pas titulaire. Voilà ce qu'il faut viser. Donc là, par exemple, un choix, pour moi, ça doit, c'est un choix qui doit terminer dans les réservistes, quoi qu'il arrive. Tout comme celui-là. Donc ça, Liam, il sait qu'il aura déjà rattrapé un DG et DD. C'est pas fou. Et c'est pas forcément des postes qui tombent souvent. C'est draft, un les gars, cette draft-là, c'est une catastrophe. Pour moi, après, là, c'est comme si j'avais le volcan peut surgir d'un coup. J'aime bien cette mentalité, Vince. Zelem, j'ai besoin de plus d'icônes. Faut qu'ils me nourrissent avec des icônes. Première fois que je la vois dans le draft. Donc là, on prend le temps d'analyser. C'est même pas le Totti, les gars. Il faut là les icônes. T'en en a que 3, c'est passé. Les Zanetti icônes. Ça commence à partir de là, Liam. Ça commence à partir de là. Di Maria peut être très clutch. Très clutch, Di Maria. Pour la note, pour un point, je pense que ça valait pas la peine. Tant mieux pour moi. Ça m'intéresse pas, les gars. Je vais espérer un deux Paul ou un Lo Celso. Il peut jouer MC? Viens là, petit. Ça paye. On veut pas les froussards ici. Désolé, petit prince. Ça change rien. Il manque quand même un truc hein, dans la draft, je trouve. Ouais, il manque quoi? Dis-moi vite, il manque. Est-ce quoi que t'as des Hollandais? Ouais, j'avais cru. Le goal, c'est le goal. Ils vont à Van der Sar. T'es obligé de prendre Donnarumma. Italien, t'as Del Piero. Donc là, ils font un coach hollandais pour Liam. Même pas, il a fait à 128. C'est fort. C'est mon banc qui me l'a mis un peu à l'envers. C'est le banc, ouais. Le banc, il aurait fallu à la place de Walker Peters à Londres des 93-94. Ouais. Et là, il y aurait un monde où c'était 129. Là, honnêtement, le Lo Celso, il a été tellement clutch. Et le L qui trucifie le V. Ouais. Je sais, les gars, que c'est moi qui vais ouvrir le pack boutique, mais on essaie de se battre avec nos armes. Vincent, tu fais une 129, ça peut égaliser. Donc à toi de faire les bons choix. À toi de rentrer tout de suite dans ta draft. Et j'ai fait 228 aujourd'hui. Buteur, ça me dérange pas forcément, les gars, parce que je savais que j'allais jouer avec Pelé. Maintenant, ça m'enlève un choix de MC et ça peut être très contraignant. Très contraignant. C'est pas avec ça qu'on ira chercher la 129, là. Vince, si t'as cette mentalité, tout de suite, on ouvre pas un, mais t'en ouvre deux des packs boutiques. Allez, Jersey. Allez, c'est le minimum. MD, si t'as pas Sané 96, c'est compliqué. Petit, lâche ça. C'est mort, les gars. À partir du moment où t'as Schmeichel dans ta draft, tu peux espérer. Tout peut changer. Dommage, elle peut pas jouer. Hein. T'as Ribéry. Fais pas le froussard, Vince. Merci. Les gars, le côté gauche comparé au côté droit, waouh. C'est qui? Il peut jouer DC, d'ailleurs, dit Marco. Après, Cherki, il peut jouer AD. Jersey, il peut jouer MD ou pas? 96, DC. J'ai la note, les gars, je peux pas, c'est la note. T'as bien fait. Maintenant, Vince, je pense Messi, ça va être compliqué niveau collectif. Ils font MC, les gars, j'ai un MC qui... Johnston, il peut jouer DC. Il est là, mon MC. Led Vincent Cook. Zanetti, il peut jouer MC lui. Ah mais aussi DC là, avec Cometti. Oh Vince, c'est le collectif, ça peut être clutch Vince. Bonne matière, elle a pas le collectif. Allez, il faut un gros bon. Allez. Allez. Gaz. C'est fini. Il peut peut-être chercher à 95 et encore. C'est pas pour aujourd'hui. 127 pour lever. Tu vas en faire une dernière Vince? Allez, un dernier round Vince. Moi ça marche bien pour moi les drafts en ce moment. C'est maintenant qu'on va faire le world record. Ça sert à rien les excuses, ouais, c'est vrai.
J'ai mal à mon Vince. Je vais prendre le 4-3-1-2. De toute façon, je sais que c'est pour ça qu'il va ouvrir le pack boutique. 4-3-1-2. Le VMOEC, pardon, qui est devenu notre goutte. En vrai, c'est bien parce que ça te met direct sous la réserve. Chef, non, mais c'est... J'ai pas envie d'avoir Matt qui servait dans ma draft, là. Ouais, pas mal. 95, pas mal. Pas mal. Allez, là, par contre, les gars, MC, ça doit y aller. Je vais prendre Koksu. Les Turcs, on prononce Koku ou Koksu? La CD, on la prononce ou pas? Je vais prendre Artel, allemand. Koksu? Koksu, ok. Merci, les frérots. Les gars, Carlos Alberto, j'aime bien l'avoir en draft parce que c'est un joueur, il peut jouer à de multiples postes. Pour l'instant, les DC, la défense, j'aime beaucoup. On va prendre Théâtre parce qu'il peut aussi jouer à gauche, comme Vardiol et Cucurella. Cucurella, je suis obligé de te prendre. Allez, donne-moi Schmeichel. Fais-moi comme Vincent, donne-moi Schmeichel. Oblak, c'est très bien. C'est très bien, Oblak. On peut pas s'en plaindre, les gars, dans Oblak. Jamais. Jamais tu me verras me plaindre sur Oblak. Sauf quand t'es payé Oblak. Par contre, les gars, là, les réservistes, ils ont pas carré. Les réservistes, ils ont pas carré du tout, les gars. Les réservistes, là, pour l'instant, c'est... Il est très fort, d'ailleurs, les gars, Rivaldo. Ok, là, il me faut un MC. Deux MC, même. Deux MC, ouais. Deux gros MC. Ah. C'est pour des blagues comme ça que t'as des mauvaises drafts. C'est parfait parce qu'il y a Cucurella. Oh là là. Bref. Et là, attention, les amis. Et là, attention. Il a déjà pas mal de régulars, Liam. Là, il va chercher des grosses notes. Il va chercher un autre gros MC. J'ai vu ce que ça valait, hein. Une 129, j'ai vu de mes propres yeux. Et c'est des drafts comme ça. Il te faut 3 grosses notes et t'as la 129. Yes. Et j'ai toujours la 95, hein. Mais là, allez, donne-moi grosse note. Merde. Faut un Schmeichel 97. Qui n'aura pas. Il y avait Courtois, chef. Je m'en fous. Ce que je veux, mais c'était 129. 127, 128, c'est la même chose. Bon, allez, les gars, c'est la dernière. Je suis déçu de ma draft. Mais comment tu veux que je cuisine avec ça? Vincent, c'est pas forcément avec les ingrédients, ça aide, mais c'est le cuisinier. Et je vais essayer ça, les gars, tant pis. Oh là là, non, mais. Tant pis, je vais essayer ça. Non, mais s'il vous plaît, réveillez-le. Tant pis. Que des mauvais choix. Tu vas passer par la case pack boutique, Vince. Je te la fais très courte. Allez. Ben, la ville a perdu, de toute façon, bah ben, oui. Non mais... Ah c'est bien, bravo. Allez, un gros MOC s'il te plaît. Pas mal Alvarez en vrai. Tu peux le faire jouer DC au Kyogre. En vrai c'est pas mauvais. Allez, un gros goal. Ok, donc pour moi les gars, ils m'ont donné sur cette draft honnêtement 3 régulars. Sur les titulaires. Le 4ème régular il est là. Le problème c'est que maintenant tu vas devoir chercher des BU qui sont ou des joueurs qui ont des postes particuliers. MOC c'est pas un poste si facile à trouver. T'avais. Ouais. Je pense que Zambrotta aurait peut-être pu être plus intéressant. Le lien icône est trop important les gars, il faut le lien icône. Oh. J'ai combien de choix régulars en fait là? Ça y est, j'ai combien? Rayon! En vrai, tu vas chercher. Honnêtement, tu vas chercher un gardien portugais. Franchement, ta draft, elle est pas mauvaise. Avec les ans. Honnêtement, avec les ingrédients qu'on lui a donné, avec sa formation et tout, pas mal. Il avait 2-3 joueurs qu'on voit pas souvent, coach portugais. Vincent, tu connais les règles, va prendre ton sac, ton flambeau. Et la décision du Toons FC est irrévocable. Pas de boutique pour lever. Pas de garantie duo, QT semaine 1. Je connais le chemin, les amis. Allez. Français, DC. Kaloulou. Ce que tu veux, c'est Neymar tout de suite, chef. Tu veux pas. Pour moi, c'est big défaite. Mais bon, j'ai payé le jeu, les gars. C'est moi qui ai payé le jeu. J'ai pas eu gratuit. Ouais. Calou, c'est déjà bien. Ouais, si un défi français, ça peut être bien. The next day. Allez, Vincent, prends une formation, pas trop galère. Tente pas trop de choses sur tes formations, prends un truc simple. 4-1-2-1-2. Celle-là. Et si. Pour moi, tu dois prendre Pelé. Ouais. Pelé. Allez, Vincent, rentre dedans. Ah, c'est pas grave, Vincent. Rentre dans cette session, donne-moi des futis, man. Ah, il est bien. Pour l'instant, Vince, il est très réfléchi. Oberdorf. Les gars, Oberdorf. Waouh. Waouh, le choix. Donne-moi un bon DG. Les gars, alors.
C'est peut-être cette draft là, je vous explique pourquoi. En termes de collectif, on sera bon. Il y a beaucoup d'icônes, il y a des 97, il y a des 99, il y a des 96. Je vais attendre un peu pour le coup, je vais... Waouh. Puyol parce qu'il peut jouer aussi DD. Froidement Vince, froidement. Zanetti peut aussi jouer MC. Je vais attendre pour le go les gars, je vais attendre. Mon dieu. Oh, what is happening? Frère, attends, c'est quoi ça? Les régulars, venez là les régulars. Non. Toc, c'est les régulars. On arrive te chercher Vince, on arrive te saboter. Prends assez vite ton gardien. Tais-toi, Liam. Koukourella, frère. Tu prends Koukourella, tu fais Puyol DD. Prends le goal maintenant. S'il te plaît. Oh le. Oui. Oh. Il va le faire. Oui. Oui. Oh, oh, il va le faire. Les gars. Wesh. Les gars. Eh, il va la faire. S'il te plaît, yeah. Ne me fracasse pas. S'il te plaît, yeah. Mais de toute façon, là, regarde. Je suis à terre à genoux, ne me fracasse pas. Regarde juste déjà les réservistes. Pour moi, là, les gars, les réservistes, il a. Ham, Lampard, pour moi là honnêtement il lui donne encore deux grosses notes. Oui. Je prends Messi, je prends pas de risque. Messi c'est pas assez chef. Arrête, tais-toi Liam. Peut-être, alors regarde ce que je peux te conseiller. Tais-toi Liam, juste tais-toi, laisse-moi, je te jure laisse-moi profiter du moment. Je sais pas qu'il y a quelqu'un, Jacques dans mon oreille droite. Laisse-moi profiter du moment. Peut-être tu mets Goretzka MDC, Zanetti MC à la place de Obadov. Waouh. Ça doit arriver ça les gars, ne vous inquiétez pas, ça doit arriver. Ah, il faut un plus de 92. Oh non. Il va pas la faire. Il va pas la chercher. Schmeichel. Comment je peux pas l'avoir les gars? Dommage. Le plus nul joueur c'est 92. Elle est belle. Hein. Je pense en fait il manquait peut-être au milieu de terrain, il manquait un 96-97. Tu vois genre un balak à la place de Zanetti. Ouais, c'est les deux MC là qui fracassent le truc. Même c'est Mitar. Et les gars, le 4-1-2-1-2 là, fou. Très très sous-côté. Ouais, ouais. En vrai, hey, bravo Vince, parce que là, honnêtement, je pense que c'est l'une des plus belles drafts que t'aies réalisées. Merci les gars, merci. C'est l'une des plus belles drafts que t'aies réalisées, mais c'est toujours pas la 129, Vince. Bisous les gars.